la tio. Ne on a la matière à régler mais du coup Mali va gagner quoi. Ouais, on a une bonne équipe. On a une bonne équipe. On a des bons joueurs aussi. Bon, je fais confiance à notre équipe quand même. Je sais qu'ils vont gagner. Et on doit gagner impérativement, c'est tout. Voilà. La carte de défense, c'est fini. Parce qu'on va jamais les battre là-bas en Tunisie. Ouais, c'est fini. Donc on doit tout faire. Même match, ça ne nous arrange pas. On doit tout faire pour gagner. Même si c'est 1-0. Le Mali va gagner. Le Mali va gagner minimum 2-1. 2-1. Oui, oui. Et en cas de défaite? En cas de défaite, nous allons remonter à Tunis. Quand tu es là, victoire de rien que la victoire. Et bon, peut-être quand on a match Tunis à Benyana. Bonne retour ici Canadien. C'est une occasion de se rattraper des erreurs de la CAN dernière. Et surtout avec les renforts qui sont venus de nos expatriés. Nous comptons quand même que ce serait une occasion pour fédérer le monde du football malien. Avec l'apport des anciens joueurs, on a mis la coupe à régler. Parce que on a des mots qui les font. Mais cette année, nous avons une opportunité d'aller avec deux matchs seulement, nous serons à Qatar. Et ce n'est plus une affaire des 11 joueurs qui vont jouer ou de l'encadrement, mais ça devient une affaire de tous les Maliens. Nous nous sommes dit que notre rôle, c'est mobiliser tous les Maliens pour que nous puissions aller au stade 26 mars, remplir les stades, pour soutenir les aigles, pour qu'ils puissent se rendre compte, depuis l'arrivée à l'aéroport, que tout le peuple du Mali veut cette qualification à la Coupe du Monde et qui va permettre à ces peuples de se retrouver, qui va permettre à ces peuples vraiment d'espérer, d'avoir de l'espoir. Parce qu'actuellement, nous vivons dans une situation compliquée pour le pays. Et le football peut être ce vecteur de cohésion et surtout ce vecteur qui va contribuer à renforcer l'amour de la patrie en milieu jeune. Zimbo, 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 Surtout de supporter les aigles, de sortir massivement. Déjà, il y a beaucoup de bonnes volontés qui ont mis à disposition des billets. Donc, il faudrait que les uns et les autres essaient de sortir massivement. C'est de se mobiliser, d'aller soutenir les aigles. Sortons massivement pour soutenir les aigles afin que la victoire et notre présence enfin à la mondiale soit une réalité. Un Malien, un drapeau, sinon un supporter, un drapeau. Il faut que le stade, on sent que même si on est aux États-Unis, qu'on voit les images, on sait que c'est les aigles du Mali qui jouent le vert rouge. Donc, celui qui ne porte pas le maillot des aigles du Mali, qui a un drapeau, même la personne, celle qui va porter ou celui qui va porter le maillot des aigles du Mali, un Malien, un drapeau, un supporter, un drapeau. Tchoko tchoko, Inch'Allah, on va aller à Qatar 2022 pour la première fois. Les aigles du Mali vont écrire leur nom dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le Mali a participé en 2002. Qatar 2022, Inch'Allah, match, allez, match retour en Tunisie, mais il faut qu'on mette le paquet ici. Zimbo, 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 oh Zimbo, Zimbo, oh Zimbo. Nous allons aller en supporter fair play. Nous savons que c'est un match difficile, c'est un match de qualification. Il y aura des moments difficiles, des moments de faiblesse pour l'équipe, mais à ces moments difficiles, nous devons supporter, nous devons encourager les joueurs. Donc nous espérons que nous allons avoir un résultat positif. Mais quel qu'en soit le résultat, nous allons jouer en fair play. Nous allons jouer en fair play et soutenir les aigles. Et ces messages de non-violence vont être lancés à l'ensemble des supporters pour que nous puissions aller au stade, mais que nous restons dans ces cadres sportifs, qu'il y aura toujours un gagnant et un perdant pour cette qualification. Mais nous espérons que le Mali va gagner les deux matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Zimbo, 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 Mali, Zimbo. Et j'invite tous les joueurs, le capitaine, le gardien, jusqu'à ce qu'ils jouent à l'attaque latérale, défense, milieu, vraiment à mouiller le maillot. Si c'est pour remplir le stade, Inch'Allah,
ça sera fait.